Les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 15 juin 2020, avec une nouvelle séance de phonologie. Vous allez apprendre comment distinguer des phonèmes proches avec des sons proches. Je vais commencer tout d'abord par les deux phonèmes F et V. Ce sont des phonèmes avec des sons proches. Ce sont deux consonnes. Le phonème F émet le son F. C'est comme si je suis en train de souffler. Le phonème V émet le son V. On sent une vibration V. Comme si je suis en train de conduire une voiture. Voilà les images. Je vais vous les nommer. Fourchette, fantôme. Écoutez très bien les enfants. Fleur, farine, fumée, fruit, fraise, fromage, carafe, dauphin. Qu'est-ce qu'on entend les enfants? Lave-linge, voiture, vélo, éventail, crevette, viande, volcan, verre, couvert, endive. Vous pouvez chez vous faire ce jeu, découper les images, faire un tableau et jouer avec maman, papa, vos frères, vos sœurs. Je vais commencer, je vais vous donner d'abord quelques exemples. Je vais commencer par cette image. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Très bien, ce sont des fruits. Fruits, qu'est-ce qu'on entend? Le son. Donc je le place où les enfants? Très bien, en dessous du phonème F. Qu'est-ce que c'est? C'est un éventail. Éventail. J'entends le son V. Donc, je le place sous, très bien, le phonème V. C'est un fantôme. Excellent! On entend le son F. Je le place ici. Vélo, vélo. Très bien, on entend le son V. Donc, sous le phonème V. Encore un exemple et vous continuez chez vous. C'est un dauphin. Très bien, on entend le son F. Donc, je le place ici, sous le phonème F. Dernier exemple, c'est un verre. Verre, on entend le son V. Voilà. La première étape, on va, vous allez visionner la seconde étape maintenant.